Elle devait, normalement, assurer la promotion des gardiennes avec Laura Smet, puisque mère et fille sont toutes deux au casting du nouveau film de Xavier Beauvois, Des hommes et des dieux. Leur première collaboration sur grand écran. Mais face à l'inquiétude autour de l'état de santé de Johnny Hallyday, annoncé mort à tort, le 30 novembre dernier, Laura Smet a choisi de se concentrer sur sa famille. N'accompagnant pas sa maman sur le plateau de C'est à vous ce même 30 novembre, alors qu'elle était attendue par l'équipe d'Anne-Elisabeth Lemoine. Nathalie Baye poursuit donc les interviews seule, avec enthousiasme malgré le contexte délicat. Invitée ce lundi 4 décembre d'Yves Calvi pour son émission quotidienne Laissez-vous tenter diffusée sur RTL, l'actrice de 69 ans a donné des nouvelles, très attendues, de son ancien compagnon. Nathalie Baye s'est voulue très rassurante, et s'est adressée aux fans de Johnny Hallyday. « J'ai envie de leur dire que je comprends leur attachement, que oui, bien sûr, j'ai des nouvelles. » Il se maintient très, très courageusement. Les dernières nouvelles datent d'hier, et elles allaient plutôt dans le bon sens, a-t-elle expliqué en direct. Avant de quitter les studios de RTL, Nathalie Baye a immortalisé son passage dans les studios de la radio en posant avec Yves Calvi, et son équipe notamment composée d'Isabelle Morini-Bosque, également chroniqueuse de Touche pas à mon poste. Où il est ressorti le 18 novembre dernier. Le taulier s'était ensuite montré actif sur les réseaux sociaux en publiant une photo sur Twitter, et l'autre sur Instagram.